Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau weekly vlog, semaine de mon anniversaire. Comment je suis contente. J'adore le mois d'octobre pour ça, et puis parce que j'aime bien l'automne aussi. Enfin, c'est un mois que j'aime particulièrement. Donc je suis ravie de vlogger cette semaine avec vous. Vous avez été nombreuses à réagir à mon dernier weekly vlog que je vous remettrai dans la petite fiche. Vous êtes un énorme soutien et c'est vraiment dingue vos commentaires. Donc merci du fond du cœur pour tout ça. Aujourd'hui, bah, j'ai été travailler ce matin, ce midi je suis revenue donc à la maison. J'ai fait des achats en Belgique pendant le week-end avec mon papa. Donc je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai achetées en Belgique. J'ai reçu un colis de Vinted. Oui, je sais, on dit Vinted, mais moi j'aime bien dire Vinted. Hein. Et j'ai commandé sur le site de Lilimus85. Je vous la remets, c'est une chaîne YouTube, je vous la remets en barre d'infos si j'y pense. Elle a un Vinted où il y avait des petites choses pour enfants. Je lui ai pris des Lego que j'ai déjà rangés puisque ça va être pour Noël de ma fille. Ce ne sont pas des Lego neufs, mais ça ne me dérange absolument pas. Hein. Noël, c'est pas que acheter des super cadeaux tout neufs. Hein. Bien sûr, je vais lui acheter d'autres cadeaux, mais je sais que ça, ça lui fera plaisir. Et je lui ai pris des livres, ça je vais lui donner en revanche tout de suite. Des livres, La Fée Clochette. Je sais qu'elle aime bien La Fée Clochette, donc je me suis dit que ça allait lui plaire. Comme ça j'ai fait un lot à Lily sur son Vinted. Et des livres comme ça, vous savez, où vous pouvez écrire dessus. Donc là les nombres, il y a l'alphabet en majuscule et l'alphabet en minuscule. Donc je me suis dit que ça allait éclater ma fille, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et puis voilà, c'est de la réutilisation. Donc si elle les abîme ou quoi, ça me dérange un petit peu moins. Puis ça va l'entraîner, elle aime bien faire ça. Donc ça va être très bien, donc merci Lily. Et elle m'a offert un petit pochon comme ça, de bonus, donc on va regarder ça ensemble. Hey, et ben je trouve le petit mot de Lily. Coucou, bonne réception, j'espère que cela fera une heureuse. La petite pochette est un petit bonus juste pour toi, merci Lily. Bon bah écoute, c'est top, c'est trop gentil d'avoir mis des petits bonus pour moi. En plus, la petite pochette Sanoflore est trop mignonne. Donc le lift, la crème main de chez Chanel. Moi je connais absolument pas la crème main de chez Chanel, donc trop bien. Je vais la mettre dans ma petite trousse pour le soir, parce que j'aime bien mettre de la crème pour les mains le soir. Le produit de chez Garantia, comme ça, je l'ai déjà, mais ça, j'utilise tout le temps. En plus, les petits formats, j'aime bien pour le corps. C'est une crème pour le corps. Un rouge à lèvres, Lollipops. Et ça, je crois qu'elle les a eu sur Nose, chez Nose, parce que je sais qu'elle achète des superbes petites mains. Et d'ailleurs, il est trop beau le packaging. Et c'est un joli marron, là. Il a l'air superbe. Oh, je testerai tout à l'heure, peut-être, là, avant d'aller au travail. Ça peut être cool. Mais pourquoi tu m'as mis autant de petits cadeaux, là? Et elle m'a mis un truc qui est emballé, comme ça. Je ne sais absolument pas. Pourquoi tu m'as mis des cadeaux? Tu sais, l'emballage, ils sont trop bons. Je sais pas si c'est ça qui sent bon, mais ça sent bon. Waouh, ils sont trop beaux. Bah, tu sais quoi, j'ai pas de vernis, donc je vais les tester. Ils sont magnifiques. De vernis P2. Je pense qu'elle les a trouvés chez Nose aussi, parce qu'elle fait vraiment des merveilles chez Nose. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Et du coup, c'est de la marque P2. Je crois que vous la trouvez en Allemagne, mais vous la trouvez aussi quelques fois dans des Leclerc, je crois. C'est le Nude Benefit et le Sand Steel. Donc, c'est des vernis comme ça. Ils sont trop beaux. Tu m'as refaite, merci pour ces gros bonus, c'est juste énorme. Tu m'as fait trop trop plaisir, merci beaucoup Lily. Vraiment je vous invite à aller la découvrir sur Insta et sur YouTube. En Belgique j'ai acheté ça pour ma fille, pour Halloween, pour mettre dans ses cheveux. Vous entendez mon crapouillou chouinassé parce que il a faim et mon mari est en train de gérer ça. Une palette de chez Essence que j'ai trouvée à Kreutzwatt à moins 50% si on achetait plusieurs produits de chez Essence. Donc j'ai pris celle-ci là, elle me faisait du envie, je l'avais repérée. Je me suis dit que c'était un peu dans le style de la Norvina. Et comme la Norvina est sur ma wishlist, bon bah ça sera l'occasion de tester. J'ai pris un enlumineur comme ça, un peu mermaid. Je l'ai swatché et il était pas mal le rendu sur ma main. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'était le seul qui était en tout neuf, pas utilisé. Donc je l'ai pris, il était à 3,50€, du coup moins 50%, ça m'est revenu à 1,70€ je pense, et la palette à 3,50€ je crois, à moins 50%. Et j'ai pris un duo rouge à lèvres et crayon pour les lèvres dans les couleurs un peu violine. Le crayon pour les lèvres c'est le So Ungrateful, Grateful 05. Et le rouge à lèvres c'est le Ultra Matte 05, donc bah, ça allait très bien ensemble, je me suis même pas rendu compte. Le rouge à lèvres il est revenu à peine 1,20€ et il est magnifique. Non mais pff, trop beau, trop beau, trop beau, je suis trop ravie d'être tombée sur ces merveilles. Voilà, c'est chez Kreutzwatt là. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas, vous trouvez vraiment plein de petites choses très sympas. Bon, je vous retrouve avec ma caméra posée parce que ce sera plus simple pour montrer les petites choses d'action. D'ailleurs, j'ai pas pensé encore à vous dire, mais ce matin, j'ai reçu l'invitation en tant qu'influenceuse, oui oui, et je suis méga ravie pour l'ouverture du futur grand Sephora à Lille. Et du coup, j'ai été invitée en tant qu'influenceuse, c'est juste dingue. Donc voilà, je suis trop trop méga ravie. Faut que je réponde tout à l'heure à l'invitation quand même, faut pas oublier.
que ce serait bien mon genre d'oublier. Mais non, je vais répondre. Mais je suis trop contente, donc vous suivrez ça sûrement dans un vlog. J'ai pris ça pour ma fille chez Action, donc des calendriers de l'Avent. J'en ai pris un aussi pour mon petit frère que j'ai mis de côté pour lui emmener, parce que sinon je vais l'oublier. J'ai pris ça aussi pour leur mettre des petits Lego que je vais acheter sûrement sur AliExpress. Maintenant que j'ai découvert AliExpress, je pense que je vais acheter quelques petits Lego à l'intérieur à 50 centimes et tout ça pour ma fille et mon fils. Donc ce sera pour les deux, ils choisiront à chaque fois une case. Donc j'ai trouvé ça à 9,90 chez Action et j'ai trouvé trop beau. C'est en plus lumineux, vous mettez des piles et vous avez une petite lumière à l'intérieur. Donc ambiance Noël bientôt, hein. Vous voyez que j'ai commandé déjà des petites choses pour Noël. Je me suis pris ça en dies là pour ma Big Shot parce que je le trouvais trop beau. Pour faire des cartes, il y a écrit Celebrate Today. Donc que ce soit pour des anniversaires, pour une invitation et tout, je trouvais ça trop bien pour mes cartes à venir. Ma fille, elle s'est repris ça, alors j'en ai plein mais bon. Alors, je l'ai pris, c'est pas grave. Pour mon anniversaire, je vais ramener des chocolats à l'école, donc bah j'ai pris ça. Ma belle-mère me conseille toujours ces petites choses-là, donc bah j'en ai pris deux paquets pour tester. Je sais pas si vous les connaissez, mais c'est vrai que j'en ai goûté chez elle et c'est pas mal. Il y a pas mal d'amandes dedans, de noisettes et quelques raisins, donc c'est vraiment très très bon. Ma fille s'est repris un truc comme ça, elle en a 50 000, mais voilà, faut pas l'emmener à Action, elle aussi elle est pire que moi. Au niveau papeterie, donc en Action, chez Action Belgique, il y avait quand même plus de choix qu'en France. Et il y avait pas mal de petites choses et c'est un chouïa moins cher à quelques centimes près. J'ai pris les carnets pour les fameux travelers que j'avais achetés la dernière fois. Je vous renvoie vers une de mes vidéos Action où je les avais achetés. Donc j'en ai pris des petits carnets de change. Et j'ai pris plein de nouveaux washi tape parce que moi j'arrive pas à résister aux washi tape. Je voulais les washi tape version constellation un peu étoilée etc. Mais je les trouve pas. Ni en France ni en Belgique, donc bon, c'est pas grave, je les trouverai peut-être un jour. Mais en attendant j'ai pris ces trois petits lots, ces nouveaux lots comme ça. Ceux-là ils sont dans des tons un peu rouges avec des étoiles roses, noires. Celui-ci ils sont vraiment plus flashy, plus anniversaire, jovial, été. Et ceux-là un peu plantes, vertes, bleues, ils sont vraiment très très beaux hein, leur washi. Ça c'était un petit peu moins cher là-bas, donc j'en ai pris pour ma classe. Ça j'en ai pris pour mon fameux Happy Planner, d'ailleurs je vous fais, faut que je vous fasse une vidéo pendant mes vacances Happy Planner, donc ça ne serait tardé. Et le reste ce sont des achats pour ma classe, des bonbons pour mettre logiquement dans leur calendrier, je leur fais des petits pochons calendrier de l'Avent pour mes élèves, tous les ans je fais ça, donc je vais le faire cette année aussi. Donc j'ai acheté des bonbons, j'adore ce genre de bonbons d'ailleurs, des petits bonbons comme ça, des petits gâteaux comme ça aussi, j'en ai pris deux paquets, les fameuses... Candy cane, là, les... je sais plus comment ça s'appelle en français, mais j'en ai pris aussi pour mettre dans leur pochon de Noël. Donc j'ai vu ça chez Action là-bas, je les ai pas encore vus en France, du coup je me suis dit je vais prendre maintenant. Parce que des fois en France ça part vite et puis je peux pas en prendre pour ma classe. Pour l'instant pour mes élèves c'est tout ce que j'ai pris, mais bien sûr je compléterai au fur et à mesure avec mes trouvailles en France. Pour moi et mes enfants j'ai pris ça, je me suis dit pour des jolies photos Insta et pour manger parce que j'aime beaucoup ce style de gâteau chez Action. Ça sera très bien et pour mes enfants je leur ai pris des bonbons parce qu'ils aiment bien avoir des petits sachets de bonbons de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Voilà pour Action, j'ai pas pris grand chose comme vous pouvez constater, mais j'ai pris quelque chose, quelques petites choses, donc je voulais vous les présenter. Bon, maintenant au niveau de ma classe, rien de nouveau, j'ai bossé ce matin pas mal de choses pour finir un petit peu mon programme de la période 1, donc j'ai fini de travailler sur les heures de lire l'heure, j'ai travaillé en français sur l'orthographe des fins de mots, les lettres muettes, on a travaillé aussi sur l'infinitif des verbes, des choses comme ça qu'il fallait clôturer. Cet après-midi, ça va être un petit peu plus fun, donc anglais, j'ai histoire, je crois, pour mes élèves qui font avec mon directeur. Et en fin de journée, nous ferons art visuel pour essayer d'avancer un petit peu dans nos productions. Voilà pour cette journée. Je vous retrouve tout à l'heure. J'ai rentré de l'école, il est 5h. Honnêtement, je suis trop ravie aujourd'hui. Mes élèves ont dit que j'étais une maîtresse moderne. Ils adoraient, ils m'ont fait un petit bilan de cette première période. Et ils m'ont avoué avoir être trop contente de travailler sur Harry Potter, que ça changeait des maîtresses traditionnelles. Et que du coup, pour eux, j'étais une maîtresse moderne. Ça m'a fait trop plaisir, vous imaginez même pas. Bref, là, direction Mac, parce que je voudrais acheter avec mes cartes cadeaux que vous m'avez offert des petites choses. Donc, bah, je vais aller faire un tour chez Mac. Et je vais essayer d'aller à Primark pour acheter le fameux calendrier de l'Avent si je le trouve, espérons pour mes élèves, espérons hein, vraiment je croise les doigts. Du coup je vous retrouve mardi, aujourd'hui je me suis maquillée d'ailleurs avec la palette que je vous ai présentée hier de chez Essence là, qui est dans les tons un petit peu violets. Elle n'est pas forcément facile à utiliser mais elle a vraiment de très très jolies couleurs et j'ai remis le rouge à lèvres Essence ce matin à 8h et il est 13h. Bon ok, il est parti au centre de la lèvre mais on le voit encore un petit peu et pas trop... Ça n'a pas l'air trop dégueulasse.
Bon, aujourd'hui, hier soir, j'ai oublié de vous montrer ma nouvelle bougie My Jolly Candle que j'ai reçue et elle est juste trop belle. C'est une bougie en XXL. Je vous la montrerai en même temps que je vous parle. C'est une bougie en XXL avec l'odeur fleur de coton. C'est une de mes odeurs préférées. C'est des grosses bougies comme ça que où il y a pas de bijoux dedans hein, de la marque My Jolly Candle. Celles-ci, comme elles sont XXL, il n'y a pas de bijoux, mais elle sent trop trop bon, c'est vraiment mon odeur favorite dans cette marque-là. C'est vraiment le genre d'odeur que j'adore. Donc je voulais vous la montrer, je suis vraiment extrêmement fan et ben, je pense que je commencerai à la faire brûler ce soir parce que ben, moment cocooning, hein. Mois d'octobre c'est cocooning pour moi. Bon, aujourd'hui comme je vous disais, hier soir, donc j'ai reçu ça, et puis je suis allée, comme je vous l'ai dit rapidement, chez Primark. J'ai trouvé ce que je voulais trouver chez Primark. Je suis trop contente, je vous montrerai ça ce soir aussi. Et j'ai été chez MAC et j'ai craqué grâce à vos cartes cadeaux, les filles, Véronique, etc., la Marine, et tout. Merci, merci pour vos cartes cadeaux chez MAC que vous aviez eu chez Birks, sur, dans la box Birchbox. Je vais y arriver. D'ailleurs, le lien est toujours en barre d'infos, hein, le lien de parrainage Birchbox, j'y arrive pas aujourd'hui. Et du coup, je suis allée chez MAC, j'ai acheté du rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Non mais, fallait s'en douter. J'ai acheté le rouge à lèvres Héroïne et le crayon à lèvres et le rouge à lèvres Soir. Ça, c'est à cause de ma copine Olivia de la chaîne Olivia Mort. Elle l'avait mis dans sa wishlist qu'elle m'a envoyée. Et je vous avoue que cette couleur-là me plaisait bien. Donc voilà, je la suis prise grâce à vous. Donc merci les filles, merci. Je vous montrerai ça ce soir avec ce que j'ai acheté Harry Potter chez Primark. Donc mes élèves étaient déjà ravis. Je leur ai pas tout montré parce que je garde un peu de surprise pour d'ici le mois de novembre-décembre. Mais j'ai acheté voilà des petites choses que vous verrez tout à l'heure. Et j'en ai ramené une petite chose que je leur ai mis dans la boîte à cadeaux et ils étaient méga ravis. Aujourd'hui, on a travaillé sur Harry Potter, hein. On a fait le chapitre 12 de notre livre et on a travaillé sur le miroir de Rized. Je leur ai demandé du coup de dessiner, de m'écrire des petites phrases sur ce qu'ils aimeraient le plus voir dans le miroir. Et bah de me le dessiner après dans un petit cadre, je vais vous montrer ça. Et il y a des petits trucs assez sympas, hein. Il y en a qui ont pas mal de talent au niveau dessin, je trouve, dans cette classe. Regardez-moi cette fille, elle m'a dit qu'elle aimerait bien que la terre soit un petit peu moins polluée et qu'il y ait plus d'animaux et plus de végétation. Son dessin est trop beau, je trouve. Et il y en a même un, alors, il y en a beaucoup d'ailleurs, qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien être des sorciers et aller à l'école Poudlard. C'est pas trop mignon, ça? C'est pas trop mignon. Bon, après bien sûr il y en a certains qui ont dit qu'ils aimeraient voir leur maman qui n'est plus là ou leur papy et mamie qui ne sont plus là. Donc voilà, pas mal de petites choses touchantes. Là je suis en train de corriger ça. Aujourd'hui je reste à l'école ce midi. Je suis en train de regarder quelques vidéos YouTube sur mon téléphone et je vais aller manger. Hein. Il serait peut-être temps quand même. Donc ce soir je vous reprends, je vous montrerai mes petites trouvailles, mes rouges à lèvres, tout ça, tout ça. Ah oui si, j'ai oublié de vous dire. J'ai fait aussi mon éval de géométrie ce matin. Pour celles qui se posent à chaque fois la question comment ça se passe mes évals, je m'inspire d'exercices qu'on a fait déjà en classe et voilà, je prépare tout comme ça. C'est une éval que je fais moi-même. Hein. En haut, je mets toutes les compétences que je vais évaluer dans cette évaluation-là et je mets acquis en cours d'acquisition ou non acquis. Donc voilà, vous avez une petite idée comme ça de l'évaluation. Donc là, je l'ai fait passer ce matin. C'est la dernière éval de la période. J'en ai fait pas beaucoup d'évals, hein. J'en fais de temps en temps, mais là, quand on a fini un chapitre, j'essaye d'évaluer un petit peu. À la rentrée, je ferai tout ce qui est évaluation de mathématiques. Bien sûr, je vais les réentraîner un petit peu avant, en numération et mathématiques, et puis je ferai mon éval, je pense, dans 2 semaines après la rentrée, quelque chose comme ça. Cet après-midi, goûter d'anniversaire, je fête mon anniversaire un jour avant eux, avec eux, parce que jeudi, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui partent déjà en vacances. Du coup, jeudi, on a d'autres choses de prévues, on sera plus sur une journée art plastique, création, finir nos projets, etc. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait regarder notre film Harry Potter et goûter pour mon anniversaire. Et puis vendredi, on a un spectacle, donc on n'aurait pas pu regarder le film vendredi en fait, donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Bref. Je vais à mes corrections et je vais manger. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi. Oui, hier soir, je voulais vous reprendre pour vous montrer mes achats à Primark, mais j'ai complètement zappé. Donc, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté chez MAC grâce à vous, les filles. Merci encore, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je vous remercie. J'ai pris donc le crayon pour les lèvres de chez MAC, la teinte Soar, et le rouge à lèvres, la teinte Soar 650, que je porte là, mais il est magnifique. En fait, je vous explique rapidement, même si je crois que je l'ai dit. Olivia m'avait envoyé sa wishlist puisque on est en train de préparer un petit truc. Et du coup, elle l'avait mis sur sa wishlist. Et quand je suis allée chez MAC, j'ai regardé la teinte qu'elle voulait. Et honnêtement,
J'ai trouvé juste magnifique. Et du coup, grâce à vos cartes cadeaux, les filles, bah, je l'ai pris. Je me suis dit, je vais prendre le combo parce que c'est vrai que même le crayon à lèvres, il pourrait aller avec d'autres rouges à lèvres. Ça reste une teinte qu'on peut retrouver chez d'autres rouges à lèvres que j'ai, des rouges à lèvres mat, liquides, etc. Et c'est un crayon à lèvres qui est plutôt pas mal. C'est mon premier, je pense, crayon à lèvres MAC ou mon deuxième. Je dois pas en avoir beaucoup. Et avec celui-ci, je me suis pris aussi le rouge à lèvres Héroïne, le 600. 4 parce que ça fait très longtemps que je le voulais. Mon chéri me disait oh mais le violet tout ça machin, mais en fait j'aime trop le violet sur mes sur moi, je trouve que ça me va bien. Donc bah je l'ai pris, donc je suis trop trop méga ravie. Et aujourd'hui je me suis maquillée pour mon birthday parce que oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire officiellement. J'ai 35 ans et puis ben voilà, même si j'ai l'impression un peu de perdre la mémoire, je sais pas si c'est vous aussi le cas, mais avec des enfants, il y a tellement de choses qui fourmillent dans ma tête entre le travail, les enfants, etc. que j'oublie des fois des choses. Ce qui n'était pas mon cas avant, donc je vois que ma mémoire me fait des petits défauts. Va falloir que je surveille ça ou que je mange plus de poissons, hein. Mythe. Et du coup, aujourd'hui, je me suis maquillée avec ma palette comme ça, Nubian 3 Coral de chez Juvia's Place, que j'ai reçu dans la Huawei Box. D'ailleurs, j'ai arrêté mon abonnement pour la Huawei Box parce que ce mois-ci, la box me plaisait moins. Mais voilà, je reprendrai si vraiment les box me plaisent, puisque vous avez des spoils sur leur Instagram. Mais bon, je regarde un peu des fois, histoire de me spoiler et d'être sûre d'avoir la box qui me plaît, parce qu'elle n'est pas donnée non plus à 40€, donc je préfère être sûre d'avoir quelque chose qui me plaît. Mais si vous vous êtes intéressé sur la box d'octobre, vous avez la cette palette là qui est dispo. J'ai utilisé d'ailleurs aussi le blush Juvia's Place que j'avais reçu aussi, qui est vraiment un blush pour les peaux noires je pense, parce que il est vraiment ultra, genre j'ai à peine posé mon pinceau, voilà hein, faut vraiment, je pense pour le finir il faudra 40 000 ans hein, parce que c'est pas possible. Je sais pas si je vais le garder parce que c'est une couleur qui me met pas forcément en valeur et je pense qu'il est vraiment beaucoup plus adapté pour les peaux noires. Chez MAC, j'ai demandé ça en cadeau. J'aime bien demander des petits échantillons de glitter. Là, c'est des petits glitters. C'est le Iridescence White. J'aime bien tester ça après sur des make-up et tout. Ils sont sympas de nous donner en échantillon. Chez Primark, je vous avais dit que j'avais trouvé trois petites choses. D'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié. J'ai perdu mon ticket de caisse. Je voulais le ramener à mon directeur pour qu'il me rembourse une petite chose sur ça. Et bah, j'ai perdu mon ticket de caisse. Impossible de me rappeler où je l'ai mis. Je l'ai emmené avec moi, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Enfin, bref. J'ai réussi à trouver que ce calendrier de l'Avent pour mes élèves, donc de 12 jours. Donc ça m'a un peu frustrée parce que je vais pas en prendre deux. J'ai quand même 27 élèves, donc il aurait même fallu que j'en prenne 3. Donc c'est pas possible. À 12€, mais je me dis que voilà, je vais compléter avec le deuxième chose que j'ai pris aussi. Ma copine Ludivine de la chaîne Divine DPZ, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si je n'oublie pas. Elle m'avait montré ça sur Instagram puisqu'elle me partage plein de choses d'Harry Potter. C'est une hyper grande fan de Harry Potter. Et du coup elle m'avait dit qu'il existait ça chez Primark. Je pensais pas du tout tomber dessus quand j'y suis allée, mais je l'ai vu, il en restait 3 qui se battaient en duel. J'ai pris celui qui était à peu près potable, pas ouvert, etc. C'est le Poudlard Express version calendrier de l'Avent de chez Harry Potter. Je crois qu'il y a les 24 cases, mais à vérifier. Et je me suis dit que j'allais du coup compléter avec avec des petites choses, pas forcément Harry Potter pour mes élèves, mais pour que le jour de Noël, enfin le mois de décembre, ils aient quand même plein de petits cadeaux. Et puis ça, je me suis dit que je pourrais le réutiliser tous les ans, que ce soit dans ma classe ou même chez moi pour mes enfants. Mon fils a été trop fan quand il l'a vu, puisque c'était un train, donc lui il s'en fout d'Harry Potter, il s'est dit ah un train c'est trop bien. Et pour mettre dans la boîte au trésor de mes élèves, j'ai trouvé ça, donc j'en ai pris 2 à 3€, ça faisait 1,50€ le crayon baguette, le stylo baguette. J'en ai déjà mis un dans la boîte à trésor, bien sûr ils ont déjà tout pris, hein, puisqu'ils ont réussi à obtenir des champions de copie. Ils sont malins ces coquins, et ils ont réussi à avoir rempli leur carte, hein, donc ils sont déjà tous partis, donc celui-là je l'ai gardé pour après les vacances, parce que je me suis dit sinon on n'est pas sorti. J'ai reçu aussi hier soir à 20h, mais j'avais vraiment pas la force de vous filmer un colis, un colis de Sandrine de la chaîne Sand Cook and Cook, je pense, si je me trompe pas, qui fait des vidéos unboxing de calendrier de l'Avent. J'aime bien regarder ces vidéos là parce que je regarde pas tout, pas toutes les vidéos comme ça, mais celles des calendriers de l'Avent que je sais que je vais pas acheter, et juste par curiosité j'aime bien savoir ce qu'il y a eu dedans. Elle a fait celui de Maybelline par exemple qui est très sympa, elle a fait ceux de The Body Shop qui est pas mal, après il est pas foufou. Voilà, elle a fait des calendriers de l'Avent, donc j'aime bien, elle a fait des vidéos cuisine, elle a fait des vidéos Beautiful Box, je crois. Notebox, hein, c'est pas la Beautiful Box, c'est Beautiful Box. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc elle m'a envoyé un petit colis, elle m'avait dit je t'enverrai un petit colis, ça tombe à pic, je le reçois un jour avant mon anniversaire et je l'ouvre le jour de mon anniversaire, c'est trop adorable. Donc coucou ma belle, voici un petit cadeau pour ton anniversaire, des gros bisous. Donc Sandrine, merci du fond du cœur. C'est une fille avec qui je papote beaucoup sur Instagram, j'aime beaucoup ses vidéos, enfin je partage beaucoup avec elle. Et donc elle m'a envoyé un colis comme ceci, donc j'ai ouvert comme ça, hop. Et j'ai enlevé le carton qui était autour de ça.
Donc la Beautiful Box, d'ailleurs elle est magnifique un peu, elle est vraiment super. Donc voilà, elle est abonnée à cette box là, elle l'ouvre tous les mois et j'aime bien quand elle est présente, c'est assez sympa. Moi je connais pas du tout cette box, du coup c'est pas mal. Donc à l'intérieur il y a déjà un premier cadeau comme ça qui est enveloppé. C'est faudra, je ne sais pas, j'ai peut-être une idée mais je ne sais pas si c'est ça. Voyez voir, voyez voir. Eh, c'est bien ce que je pensais, t'es juste une folle. T'es juste une malade. Je sais pas si vous verrez quelque chose. C'est la palette Sananas avec Sephora, voilà. Waouh. Il y a du petit scotch et tout. Je sais qu'elle a, je sais pas sûr qu'elle l'avait trouvé. Je sais pas si elle l'a acheté en magasin ou si elle l'a acheté sur Vinted parce que comme c'était un peu en rupture de stock, et ben je sais pas du tout si elle l'a acheté ou pas, à quel endroit. Mais merci du fond du cœur, je suis touchée. Parce que elle était dans ma wishlist et comme elle était en rupture et tout, c'était assez compliqué de l'avoir. Oh, elle est magnifique, hein. Elle est vraiment belle, hein. J'avoue que quand même c'est une palette qui était oh là 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 là, j'ai hâte de maquiller parce que ce qui est pas mal dans cette palette c'est qu'il y a pas mal de couleurs quand même. Vous pouvez faire des make-up nude, des make-up rose, des make-up violet, une petite touche un peu bleue là avec cette espèce de Sananas femme. Il y a pas mal de... C'est assez varié je trouve et c'est vrai que faut avouer Sana elle l'a quand même bien vendu cette palette et elle a quand même fait succès pour le prix. Donc merci, je suis trop contente. Donc cadeau de ma wishlist, c'est juste fou. Merci Sandrine. Et du coup à l'intérieur il y a d'autres petites choses. Donc You Are Cosmetic, donc un petit primer comme ça. Steve Laurent, je connais absolument pas, je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être un liner peut-être. Le packaging est magnifique. Je pense que ça doit être un liner parce qu'il y a écrit black. Donc le packaging est magnifique, ça doit être un liner. Moi j'adore tester les liners. Donc si c'est ça, c'est cool. Comme, alors là il y a des cartes comme dans la Beautiful Box, tiens. Avec les produits je pense, les étapes d'utilisation. Oh là là, mais attends, il y a une palette slick à l'intérieur quoi, truc de malade. Je sais pas si tu l'as ouverte celle-là en vidéo, je me rappelle pas, tiens. C'est une palette avec le blush, le contour et l'highlight comme ça, face form en teinte light. Trop bien, je crois pas l'avoir parce que j'ai beaucoup de palettes slick. Hein. Je vous mets ma vidéo ici où je trie mes palettes, mais au niveau teint j'en ai pas beaucoup. Et celle-ci elle ne me dit rien donc je dois pas l'avoir. Il y a à l'intérieur la pâte nettoyante, ah ça c'est cool, je l'avais reçue quelque part mais j'aime bien cette pâte nettoyante de chez Garancien, je l'aime bien et j'aime bien le packaging là. Et j'ai eu un peeling, un gommage au charbon, ça c'est plutôt pas mal, j'ai jamais testé de la marque VO. Donc là, bah pareil, à tester, trop cool. Et un petit truc comme ça, est-ce que c'est un petit bijou, quelque chose comme ça, je sais pas du tout. Oh c'est trop mignon, j'adore les joncs, je sais pas si tu le savais. Donc il y a un petit bracelet comme ça qui est trop beau. Oh là là, et bah il va aller, cadeau de mes abonnés, il va aller avec celui que j'ai eu de la part de Nawel. Et le petit jonc comme ça qui est magnifique aussi. Pou 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 pou, trop gâté là, trop gâté déjà rien que par ça. Et en plus elle a rajouté un pochon. Et à l'intérieur il y a un melted, donc moi fan de Too Faced, bonjour quoi. C'est le Home Lace Romantique. Et tu sais quoi, c'est une teinte que j'avais beaucoup ziotée à l'époque où j'aimais bien, enfin j'aimais bien, j'aime toujours Too Faced, hein. Mais à l'époque où j'ai regardé un peu les couleurs comme ça, des latex, et c'est une couleur que je voulais absolument, mais je sais plus ce qui s'est passé, j'ai pris un autre. Donc je l'ai pas dans ma collection et je l'ai pas, je l'ai jamais testé. Donc je suis méga ravie. Logiquement c'est bien ça, parce que hier je regardais un peu mes rouges à lèvres et tout, et je crois pas l'avoir vu. Donc je suis méga contente. Donc un multi de latex, c'est vrai que les latex ils ont une texture un peu particulière, mais moi j'aime bien, j'aime bien, ça a un effet un peu brillant, ça m'avait pas choqué, j'avais testé plusieurs fois, j'en ai plusieurs et j'avais bien aimé. Et dans son petit pochon il y a deux produits NYX et trop contente quoi, le Filer Instinct, donc un laqueur effet repulpant, il est beau le packaging. D'ailleurs je voulais acheter un de ces styles là chez MAC, il y en avait un peu comme ça effet repulpant mais j'ai finalement pas craqué. Donc là je suis trop contente et ça je peux même le mettre par dessus ce genre de rouge à lèvres pour pumper, ça va être trop beau. Ça c'est un lip scrub de chez NYX, non mais trop bien quoi, trop bien, je savais même pas qu'ils avaient des lip scrubs quoi. Trop bien, trop contente. Et un petit parfum comme ça de Jimmy Choo, et trop bien. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est trop bien. Elle a mis une petite trousse et ça, ça va être pour ma poupette parce qu'elle m'avait dit qu'elle lui achèterait un petit truc chez Disney. D'ailleurs, fallait vraiment pas, hein, Sandrine, lui acheter quelque chose à Disney, fallait pas. Et je pense qu'elle va être méga ravie parce qu'elle adore La Belle et la Bête comme moi. Et elle adore Le Roi Lion comme moi, mais moi, j'aime préférer La Belle et la Bête. Donc, je sais pas si je lui donnerai les deux, hein.
Non, vous en pensez quoi? Je fais la mère indigne? Non, mais en tout cas, voilà, elle les a achetés à Disneyland Paris et c'est trop adorable d'avoir pensé à ma fille. Je pense que j'en donnerai un à ma fille et un à mon fils, comme ça, pas de jaloux. Je pense que ce sera mieux. Ils sont trop beaux, ils sont vraiment magnifiques. Et la trousse aussi, on en parle, hein, elle est trop mignonne, hein, tout bling bling là, comme ça. Vraiment un colis juste magique. Donc déjà, mon anniversaire commence bien. Bon, maintenant, direction l'inspection, parce qu'il faut que j'aille chercher un papier, tout simplement. Et puis cet après-midi, bah, ça va être journée pépère à la maison. Ce soir, petit repas en amoureux. Je pense que je ferai pas les courses aujourd'hui pour ma fête d'anniversaire, parce que j'ai pas mal de choses à acheter pour ma fête d'anniversaire de samedi. Donc je vais peut-être acheter ça, je sais pas si j'y vais aujourd'hui ou jeudi soir. On verra. De toute façon, vous allez suivre ça jusqu'à samedi. Logiquement, vous aurez ce vlog dimanche si j'ai réussi à tout monter, à tout organiser. Je vais essayer de commencer mon montage aujourd'hui pour être au top, on va dire, entre guillemets. Et j'ai hâte, en tout cas, de vous rencontrer samedi. Mais vous n'imaginez même pas. Vous êtes nombreuses à réagir en commentaire, à me dire « Oui, on va se voir et tout. » Et j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Donc voilà. Merci en tout cas, Sandrine, encore, si tu passes par ici. Merci aux filles. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. D'ailleurs, ma petite Lily de la chaîne Lily Muse, j'ai testé hier sur mes ongles les petits vernis, j'ai fait un traficotage bizarre. Oui, oui, j'avais envie de me faire une manicure un peu bizarre parce qu'en fait celui-ci il est fait un peu sable et ils sont très beaux, j'aime beaucoup les couleurs. Bon, j'ai fait un effet un peu bizarre, mais voilà, j'avais envie de m'amuser. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de vernis et ils ont l'air vraiment très sympas. Ils ont cessé super vite, ils ont séché super vite, donc plutôt ravie de ces petits vernis P2. Bon, à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, on est samedi matin, direction la gare de Lille pour aller chercher Ella. Et je la rejoins à Euralille pour notre rendez-vous. Donc j'ai trop hâte de vous retrouver. Je me suis maquillée aujourd'hui avec la palette Riviera de Anastasia, qui est une de mes préférées. Et le rouge à lèvres Sohar de chez MAC, qui est juste magnifique. Bon allez, let's go pour vous voir. Nous voici arrivés à Euralille et avec notre Ella. Hello. Et nos petits abonnés qui sont là, donc redis-moi, redis. Sandrine, Emmanuel, Emma, Vanessa. On peut dire Emma? Oui. Vanessa, Louise, Véronique, Céline, Marlène et Sarah. Ah, on va faire ça. On attend encore Mélanie et puis peut-être d'autres abonnés, je ne sais pas. Je sais pas. Et puis ben, on va aller faire un petit tour chez Sephora parce que madame c'est elle qui veut. Hein. Je rappelle, c'est Ella qui veut absolument aller chez Sephora. Elle veut aller repérer ses futurs achats. Elle en a pas en Belgique. Là il est devant elle. Hein. Elle en a pas, elle veut absolument aller repérer les futures palettes Anastasia Beverly qu'elle va acheter. Elle fait de la pub pour Anastasia Beverly. On est pas sorti. Ah là là, Ella, incorrigible. Et voilà, notre Mélanie est arrivée. Je ne savais pas quoi dire. Genre elle est timide, non mais la blague. Hein? Toi qui la connais, est-ce qu'elle est timide? Non. Non, 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 non. Non, hein? Je suis une fausse timide. Donc ouais. Voilà, je suis arrivée à Lille, j'ai pas retrouvé mon blog. T'arrêtes de te faire de la pub dans ma vidéo là? Non mais oh. Parce que tu m'en fais plus. Oh. Bon alors allez voir Mélanie de la chaîne Happy Together 17. On est chez Beef House où il y a tout un truc de stratégie, de points qu'on n'a pas tout compris. Hein. Et l'application, ça paraît trop compliqué. Et on est tout installé. Et là, elle est loin, et là, elle a froid. Et là, elle a cru qu'elle était arrivée dans. Pourquoi t'as la selle avec ton manteau? T'as froid? Ah ouais, bah voilà. Tu t'es habillé léger sous ta grosse moumoute là. Enfin, on va manger tous des burgers. Vas-y. Vous avez tous pris un burger? Non. Ah oui. Ah, il y a des gens raisonnables dedans. Une salade César, elle a été raisonnable. C'est Louise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va être une salade. Bon, ça a l'air d'arriver. Coucou, je vous retrouve dimanche. Petit bilan de ce vlog, petit bilan de cette rencontre hier. Malheureusement, Elodie de la chaîne Elodie Moitou n'a pas pu venir puisque avec les problèmes de train, de SNCF, etc., les grèves, bah du coup son train a été totalement annulé. C'était vraiment, enfin ça m'a fait de la peine qu'elle puisse pas venir forcément, mais c'était pas ta faute. Donc voilà, je sais qu'elle en a parlé en vidéo, qu'elle en a parlé sur Instagram et tout pour vous prévenir, pour celles qui voulaient venir pour elle, et eh bien qu'elle était pas là, mais
Voilà, c'était pas de sa faute quoi, il y avait pas, voilà, c'était dommage mais c'est pas de sa faute, ce n'est que partie remise comme on a dit, et bah, dès qu'elle revient dans le nord on essaiera de refaire un petit truc comme ça. En tout cas la journée, bah, on était hyper étonnés de voir 12 personnes venir, vous étiez adorables, vous étiez juste top, on a fait plein de découvertes, vous étiez toutes différentes, et on a pu toutes vous parler, enfin toutes se papoter, on avait vraiment l'impression d'avoir passé une journée shopping avec des copines, et donc c'était vraiment trop bien. Je pense qu'avec Ella et puis Elodie du coup et Mélanie, on refera ça à l'occasion, que ce soit sur Paris ou sur Lille, c'est vraiment, bah voilà, elles veulent revenir et tout, mais je pense qu'on refera ça, vraiment c'était une super rencontre, c'était vraiment top de vous découvrir, donc on essaiera de refaire ça très prochainement, vraiment, c'était super. Donc on a été chez Sephora, il y a certaines d'entre vous qui ont craqué, hein, certaines qui étaient venues qui ont craqué, et là elle a acheté quelques trucs, vous verrez ça sur sa chaîne, et moi j'ai rien acheté, j'ai été raisonnable chez Sephora. Chez NYX, on a acheté toutes quasi la même chose, hein, on a tout acheté, un rouge à lèvres, les nouveaux rouges à lèvres Gaul. Véronique qui était là, donc elle voulait absolument en avoir un, puis on a regardé, donc puis finalement ça nous a toutes plu. Donc on a craqué, hein, c'est le packaging comme ça. C'est les fameux Glitter Gaul, et c'est vrai que c'est une sorte d'effet métallique et en même temps hyper pailleté. On les a trouvés très beaux, donc moi j'ai pris la teinte Bloodstone et la teinte Crystal Crush. Je crois qu'on a pris à peu près toutes les mêmes teintes, sauf Mélanie qui a pris une teinte un peu grise, vraiment pailletée, très belle aussi. Donc puis on est parti chez Primark, et moi j'ai craqué que pour ma classe, donc je vous montre, parce que comme dans le début de ce vlog je vous montre des choses pour ma classe Primark Harry Potter, bah je vous montre la suite ici. J'ai pris ça pour décorer notre classe, parce que oui, maintenant nous avons la réputation de la classe Harry Potter, donc il faut faire les choses à fond maintenant, hein. J'ai pris ça pour décorer notre classe, le fameux miroir de Rized là, donc ça ils vont être ravis parce qu'on est en plein dans ce chapitre là, comme vous l'avez vu je crois, je vous en ai parlé. J'ai repris des baguettes comme ça parce que j'en avais pris 2 paquets, mais voilà, ça part vite, hein, dans la boîte à cadeaux, la boîte à trésors. Et ça je voulais le prendre déjà la dernière fois mais j'avais pas pris parce qu'ils étaient cassés, là il y en avait quelques-uns nickel, c'est le vif d'or en version tirelire, mais je pense que j'utiliserai pour mettre des énigmes ou des choses comme ça dedans, des petits problèmes de mathématiques, je trouverai bien une idée. Et pour finir, pour mettre dans notre boîte à trésors, j'ai pris des petits cahiers comme ça, un peu style Harry Potter avec écrit abracadabra, genre pour écrire les charmes et les ensorcellements, donc c'était 2,50 les 3. Je me suis dit que pour la boîte à trésors, voilà, ça sera très bien. Donc du nouveau dans notre boîte pour dans notre classe Harry Potter pour la rentrée. Aujourd'hui, donc dimanche, mes copines, elles sont en bas, son maquillage, tout ça. Alors, moi, j'ai juste fait mon teint. Je sais pas si elles voudront apparaître dans la fin de ce vlog, on verra tout à l'heure. En tout cas, là, je vais aller chercher un coulis et puis bah, je vais essayer de clôturer ce vlog pour que vous le mettez tout à l'heure en ligne. Donc vous l'aurez aujourd'hui, oui, oui, c'est vraiment quasi en direct live là. En tout cas, vraiment, c'était vraiment une merveilleuse journée. Hier soir, j'ai passé une jolie fête d'anniversaire avec mes copines et mes amis. C'était juste top. Enfin, même si certaines personnes n'ont pas pu venir, c'était dommage, mais voilà, c'était pas de leur faute, hein. Donc Elodie puis Cindy aussi du blog et de la chaîne YouTube, le blog de Cindy n'a pas pu venir, donc voilà, mais il n'y a pas de problème, et on a quand même passé une bonne soirée, et j'ai été gâtée, merci Elodie d'ailleurs pour tes cadeaux aussi, elle a fait un petit cadeau commun avec Ella, donc qui sont trop bien, et merci à Sarah de la chaîne Sarah Voussoul, à Nini de la chaîne Les Folies de Nini, à Clémence qui n'a pas de chaîne YouTube mais sur Instagram c'est Wonderchonchon. Et est-ce que j'oublie quelqu'un? Elsa du blog Elsa Loulou Diary, et puis à Mélanie de la chaîne Happy Together pour leur cadeau commun. Elles ont fait aussi un pot commun et elles m'ont gâté aussi. Vous verrez ça dans une vidéo spéciale cadeau d'anniversaire. Mais j'ai été quand même pour y gâter, il n'y a rien à dire. Voilà, c'était une belle soirée, j'avais mes amis auprès de moi. Il en manquait quelques-uns mais ça ne, je les verrai très vite. Et en tout cas, c'était vraiment une belle journée, un très bon anniversaire pour mes 35 ans, vraiment, on va conclure sur ça. N'hésitez pas déjà à liker cette vidéo si elle vous a plu, ce petit vlog, enfin, je sais pas si il est petit, mais sur son vlog. Et si tout à l'heure j'arrive à faire un petit au revoir avec les copines, bah, je le rajouterai. Sinon, bah, vous irez les rejoindre sur leur chaîne YouTube, j'essaierai de penser à mettre tout le monde en barre d'infos. Toutes celles que j'ai citées, j'ai essayé de faire ça, comme ça, si vous voulez aller checker et découvrir, même dans mes abonnés, il y a une qui a une chaîne YouTube et peut-être une qui va en ouvrir une, et bah, je vous mettrai ça dans la chaîne YouTube, dans la barre d'infos. Donc je vous fais des gros bisous en tout cas et je vous dis à très très vite. Salut. Donc j'ai reçu une petite surprise dimanche matin, petite surprise, Lydvine de la chaîne DPZ. C'est un truc logiquement pour ma classe, donc je vais l'ouvrir là, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Mais je le ferai découvrir du coup à mes élèves Oh, trop mignon. Bah du coup vous l'avez vu tout à l'heure. Regarde, elle nous a mis une petite Edwige. Tu vois, je savais qu'il fallait que tu l'ouvres en vidéo. Mais on dirait que c'est du fait maison. C'est possible, hein, c'est peut-être son DIY. Je sais pas.
Oui, parce que je porte la caméra, désolée. Il y a Mélanie qui est derrière, qui fait le trépied. Waouh, alors ça oui, bah, j'en ai acheté une grande en version entre guillemets peluche quoi, de coussin. Mais là, waouh, wow, c'est assez vrai. C'est elle qui l'a fait, hein, c'est vrai. Et ça, oh, c'est trop beau. Ça aussi, non, ça doit pas être AliExpress. Ça marche pas en vrai. Si. Ah bah, d'où se l'ouvrir ? Je sais pas, il pas. Ah, il peut ouvrir. Ouvre-le et tourne. Voilà. Oh. Excusez-moi, je suis un peu blonde sur les bras. Donc je présente ça. Ah, c'est trop beau. Trop mignon. Eh, c'est trop classe. Alors ça. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oh là là, il va adorer mes élèves, ça. Il va adorer, c'est la musique d'arrivée. Oh non, mais ça, il va être fan. Oh, c'est trop fort. C'est AliExpress, ça? Je pense. Mais moi, je vois pas tout ça sur AliExpress. Pourtant, m'envoyer des liens et tout, Ludivine. Alors, Ludivine, c'est une grande fan d'Harry Potter, donc elle est au taquet. À fond, à fond, à fond. Mais c'est vrai qu'à m'envoyer des liens, j'ai commandé certaines choses, mais ça, j'ai pas vu. Bah, elle a pas fait, elle a fait exprès de pas te l'envoyer, du coup. Bah oui, c'est possible, c'est possible. C'est une coquine. Coucou, Karim, c'est un petit quelque chose pour ta classe de Potterhead. Si je le prononce bien, madame. Nous avons une pro en anglais à côté. Un petit DIY que je pense va plaire à tes élèves qui aiment cet univers magique. Cette petite boîte à musique magique. Ah oui, là, clairement, la boîte à musique. Et le fameux hibou qui t'emmène ce joli colis. J'espère que, qu'il fera bien son travail. D'énormes bisous. Eh ben, écoute, tout est arrivé à destination, donc c'est qu'il a bien fait son travail. Une jolie boîte, donc, avec de la mousse. Ça doit être un truc fragile. Wow. Je connais pas. Alors, elle a dit, je crois que c'est Leif. Je suis capable de résoudre un problème complexe en un instant, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, j'ai un esprit d'équipe, je suis un ami fidèle, merci de m'avoir adopté. Oh, c'est trop mignon, du coup elle nous a fait un personnage comme ça dans la classe qui pourra servir à régler les soucis. Oui, c'est ça. Et, c'est pas mal, ah, c'est une bonne idée, pour ma classe ça peut être super cool. Alors je crois que c'est une tête qui parle, dans Harry Potter elle m'a dit, enfin j'ai vu dans sa, elle a mis une vidéo... Unboxing, non pas unboxing, oh j'arrive plus. Elle a mis une vidéo DIY et sur sa chaîne, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez réaliser. Il est bien fait, hein, dis donc. Et elle disait, j'ai pas tout regardé parce que je voulais pas me spoiler, mais c'est une tête qui parle et que c'est dans le prisonnier d'Azkaban. Je crois bien, si je me trompe pas, donc le 3. Il va falloir que je revoie un peu mes Harry Potter parce que je suis un peu. Hein, j'ai pas tout relu, mais il va falloir que je me réactualise, mais c'est super cool. Je vais pouvoir expliquer ça à mes élèves et tout. Oui, il a des locks, on dirait. Ouais. Il a des locks. Il est trop classe. Il paraît que c'est facile à faire, je crois, qu'est-ce qu'elle avait dit dans un blog. Bah, du coup, vous verrez dans sa vidéo DIY, mais c'est super sympa. Et du coup, là, l'idée de pouvoir expliquer les problèmes... Tu peux peut-être aussi genre, le mettre en confidence genre chez les élèves, tu sais, genre une semaine, ils le ramènent, tu vois, ils peuvent faire une... L'emmener chez eux et genre, ils racontent un peu leurs problèmes. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Enfin, je réfléchis à comment on va faire ça. Ça marche plus. Ah si, ça marche. Pardon. Pardon, je vais voir comment je vais organiser ça dans ma classe, mais j'ai hâte de leur montrer, je vous dirai dans un prochain vlog leur réaction, ce qu'ils en ont pensé, s'il y en a qui connaissaient, parce qu'il y en a qui sont vraiment taqués sur Harry Potter, donc il y en a sûrement qui connaissent mieux que moi, mais je pense que ton colis va leur faire très plaisir. Merci Ludivine. On va clôturer avec les demoiselles, on va clôturer ce vlog ici, donc Ella qui se montre enfin. Ce matin, je voulais clôturer, mais elle ne voulait pas. Pas vous avez vu son rouge à lèvres d'ailleurs, je l'ai acheté. Alors, on va essayer de faire un zoom. Regardez-moi cette beauté de chez NYX. On a tout craqué pour cela, je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, il est sec. Il est beau, hein. Il colle pas. Un joli prune avec des paillettes dorées là. Il est... On le sent pas sur la bouche. Vraiment un coup de cœur. Il est beau, hein. Ah. On a tout, du coup, on en a tout un. Hein. Nous deux, on a acheté les mêmes couleurs. On a dévalisé le Et grave, après, ils ont rechargé tout. Et Mélanie, elle a pris elle montrera dans son vlog, je pense, mais elle a pris une teinte un peu grise. Magnifique. Ouais, elle est beau aussi, un gris avec des paillettes là. Ils sont vraiment beaux ceux-là. Hein. Ouais. On a bien fait de craquer sur ceux-là. On a dévalisé le truc. Belle découverte. Donc on a passé un super week-end, merci les filles d'être venues encore une fois. Merci les filles, bon anniversaire. Merci. Je remercie aussi Nani parce que tout à l'heure j'ai oublié dans les personnes qui ont fait un cadeau commun, j'ai oublié Nani parce qu'il y a tellement de copines. Donc Mélanie, Nani, tout ça. Donc merci Nani, vraiment si tu passes par ici, merci pour ton cadeau commun avec Mel et tout. Donc vraiment trop top cette semaine. Bon, vive les vacances maintenant quand même, en repos, tout ça. Ouais. En Belgique c'est pas encore le cas. Ouais, c'est encore une semaine d'école.
Et ils ont qu'une semaine de vacances en Belgique d'ailleurs, hein. Donc faut qu'on soit heureux, nous, hein. On a deux semaines quand même. Faut qu'on en profite. Hein. Et Mélanie, du coup, a profité de ses enfants. Ouais, je suis ravie. Et moi, c'est la première fois que j'ai des vacances avec Chérie, du coup, deux semaines en vacances avec Chérie. Il est là, bah ouais. Et du coup, comme il est en congé, bah on est là ensemble. Donc, ça va être sympa. Il est content, Chérie. Il est ravi, Chérie, il est ravi. Ouais. Bon, en tout cas, je vous invite à aller découvrir donc Ella si vous la connaissez pas et Mélanie. Je vous mettrai ses chaînes en barre d'infos, leur chaîne en barre d'infos et leur vlog. Moi, j'ai pas fait de vlog de ce week-end parce que j'étais trop à la bourre et voilà. Mais est-ce que tu vas continuer alors tout à l'heure en rentrant? Je sais pas. Que tu vas peut-être. Peut-être. Elle a commencé, mais elle a pas filmé hier, donc est-ce qu'elle va continuer? Elle a pas les automatismes des vlogs. Exactement. Il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. Donc voilà. Si tu continues, bah je mettrai le vlog en barre d'infos. Et Mélanie, c'est sûr. Elle, mais ce sera pas aujourd'hui. Ça, ah, bah non, mais c'est sûr. Mais dans la... De toute façon, ils vont s'abonner. Ah, bah oui. Comme ça, ils vont aller vous découvrir et puis ils verront les futures vidéos. Merci. Bon, on fait des gros bisous. Salut. Bye.